Fils et du Saint-Esprit. Amen. Une grande joie d'être là avec toi en cette semaine sainte. Nous sommes aujourd'hui le 27 mars, mercredi. Et vivons cette semaine comme une retraite. D'accord? Et la première lecture d'aujourd'hui, c'est Isaïe, chapitre 50, à partir du verset 4. Le Seigneur Dieu m'a donné une langue des disciples pour que je sache apporter à l'épuisé une parole de réconfort. Il veille chaque matin. Il éveille mon oreille pour que j'écoute comme un disciple. Le Seigneur Dieu m'a ouvert l'oreille et moi, je n'ai pas résisté. Je ne me suis pas dérobé. J'ai tendu le dos à ceux qui me frappaient et le joue à ceux qui m'arrachaient la barbe. Je n'ai pas soustrait ma face aux outrages et aux crachats. Le Seigneur Dieu va me venir en aide. C'est pourquoi je ne me suis pas laissé abattre. C'est pourquoi j'ai rendu mon visage dur comme la pierre. Et je le sais que je ne serai pas confondu. Il est proche celui qui me justifie. Qui va plaindre contre moi? Comparaissons ensemble. Qui est mon adversaire? Qui s'approche de moi? Voici le Seigneur. Voici que le Seigneur Dieu va me venir en aide. Quel est celui qui me condamnerait? Qui est celui qui va nous condamner? Jésus est pour nous. Qui sera contre nous? Jésus va dire, je ne suis pas venu pour condamner, mais pour sauver. Alors, le point de départ, c'est déjà positif parce que c'est déjà gagné. Jésus ne vient pas pour nous condamner, mais pour nous sauver. Mais c'est vrai qu'ici, le Seigneur veut venir donner une parole pour apporter à l'épuisé une parole de réconfort. Le Seigneur, lui, nous célébrons cette semaine sainte, nous contemplons les mystères de la passion, de la mort de Jésus-Christ. Et pendant cette semaine, on peut méditer beaucoup les textes de l'Évangile qui nous parlent de la passion de Jésus-Christ. Et mais Jésus veut nous apporter une parole de réconfort. Le Seigneur veut vraiment nous ouvrir. Vous voyez qu'ici, il nous parle de serviteur souffrant, qui souffre. Il dit, je ne me suis pas dérobé. Voilà, et ça veut dire je n'ai pas résisté, je ne me suis pas dérobé. Ça veut dire qu'il garde ouverte, non pas seulement l'oreille, mais le cœur, il est ouvert. Ça veut dire, ici, malgré les souffrances, ici, le serviteur, il est ouvert. Il veut nous communiquer une parole de réconfort. C'est lui qui souffre, veut nous communiquer une parole de réconfort. C'est lui qui souffre, ne se ferme pas en lui, mais veut que notre cœur soit ouvert. C'est lui qui souffre, veut vraiment nous aider à regarder Jésus-Christ dans sa passion. Et en même temps, de trouver en Jésus-Christ la force. Dans la passion du Christ, dans sa passion, Jésus veut nous communiquer la force. On voit Jésus qui tombe, qui est par terre, une fois, deux fois, trois fois. Mais dans sa chute, Jésus nous donne la force aussi pour nous relever à chacun de nous. Mais en même temps, le Seigneur veut nous visiter, dans nos combats, dans nos obscurités, dans nos ténèbres, et dire, mais qui est ton adversaire? Jésus, ici, le serviteur dit, qui est mon adversaire? Qui s'approche de moi? Voici que le Seigneur Dieu va me venir en aide. Ça veut dire qu'ici, il n'a aucun orgueil. Mes adversaires, s'ils viennent, le Seigneur, il est pour moi. C'est lui ma force, c'est lui qui va me protéger. Ici, nous touchons la foi, la pureté, l'essence de la foi. D'accord? Et maintenant, le psaume d'aujourd'hui, c'est le psaume 69, à partir du verset 8. C'est pour toi que je souffre l'insulte, que l'humiliation me couvre le visage, que je suis un étranger pour mes frères, un inconnu pour les fils de ma mère, car les ailes de ta maison me dévorent,
insulte de tes insulteurs tombe sur moi. Après le verset 21. L'insulte m'a brisé le cœur jusqu'à défaillir. J'espérais la compassion, mais en vain. Des consolateurs, et je n'ai pas trouvé. Bref, c'est verset 22. Pour nourriture, ils m'ont donné du poison. Dans ma soif, ils m'abreuvaient de vinaigre. Après le verset 31. Je louerai le nom de Dieu par un cantique. Je le magnifierai par l'action de grâce. Cela plaît au Seigneur plus qu'un taureau, une forte bête avec cornes et sabots. Ils ont vu les humbles et jubilent. Chercheurs de Dieu, qui vive votre cœur. Car le Seigneur exauce les pauvres. Il n'a pas méprisé les captifs. Il y a ici deux choses. C'est pour toi que je souffre l'insulte, car l'humiliation me couvre le visage. Je suis un étranger pour mes frères, un inconnu pour les fils de ma mère. Ici, c'est le mystère de la passion du Christ. Nous contemplons ici Jésus-Christ au milieu de ses frères, au milieu de son peuple. Jésus qui est vraiment régné, Jésus qui va être refusé par ses frères, n'est pas reconnu par ses frères. Mais ici, le Seigneur vraiment veut nous faire comprendre que le Seigneur a du zèle pour cette maison, ça veut dire cette âme, qui suis-je? Car le zèle de ta maison me dévore, l'insulte des insulteurs tombe sur moi. C'est Jésus-Christ. Mais Jésus a du zèle pour ta maison, pour ton âme. Il veut remplir ton âme de cet zèle pour que tu puisses avoir aussi du zèle pour Dieu, pour les choses de Dieu et pour le bien de tes frères. Parce que nous vivons un temps de conversion. Et que vraiment le Seigneur puisse nous faire descendre dans cette union avec le Christ et avec le Christ de trouver cette humilité du Christ. Ils ont vu les humbles, ils jubilent, chercheurs de Dieu qui vivent votre cœur. Car le Seigneur exauce les pauvres, les humbles, il n'a pas méprisé ses captifs. Voilà. Quelle confiance, quelle espérance pour nous. Et maintenant, l'évangile d'aujourd'hui, c'est Matthieu chapitre 26, à partir du verset 14. Nous dit ceci. Alors l'un des douze, appelé Judas Iscariote, se rendit auprès des grands prêtres et leur dit, « Que voulez-vous me donner, et moi je vous les livrerai. » Ceux-ci lui versèrent 30 pièces d'argent. Et de ce moment il cherchait une occasion favorable pour le livrer. Les premiers jours des azimes, les disciples s'approchèrent de Jésus et lui dirent, « Où veux-tu que nous te préparions de quoi manger la Pâque ?» Il dit, « Allez à la ville chez un tel et dites-lui, le maître t'est fait dire, « Mon temps est proche, c'est chez toi que je vais faire la Pâque avec mes disciples. » Les disciples firent comme Jésus leur avait ordonné et préparèrent la Pâque. Le soir venu, il était à table avec les douze. Et tandis qu'ils mangeaient, il dit, « En vérité, je vous l'ai dit, l'un de vous me livrera. » Fort attristé, ils se mirent chacun à lui dire, « Serais-je moi, Seigneur ?» Il répondit, « Quelqu'un qui a plongé avec moi la main dans le plat, voilà celui qui va me livrer. Le Fils de l'homme s'en va, selon qu'il est écrit de lui. Mais malheur à cet homme-là, par qui le Fils de l'homme est livré. Mieux eût valu pour cet homme-là de ne pas naître. À son tour, Judas, celui qui allait le livrer, lui demanda, « Serait-ce moi, Rabbi ?»« Tu l'as dit, » répond Jésus. » Alors, ici, nous voyons Jésus avant de partir pour sa passion, et encore avec les intimes, les douze apôtres. Et Jésus qui va être trahi par Judas par 30 pièces d'argent. 30 pièces d'argent, c'était très peu. On pourrait dire que c'est
quelque chose sans grande valeur, on pourrait dire comme ça. Ça veut dire que l'ambition, le péché de Judas aveugle son esprit et il va recevoir très peu d'argent, même pour vendre Jésus, pour trahir Jésus. Ça veut dire que même son intelligence était vraiment bouchée. Et nous devons faire attention aux péchés qui sont en nous. Judas, c'était l'argent. Il aimait beaucoup l'argent. Beaucoup l'argent. Qu'est-ce que tu aimes? Est-ce que tu aimes Dieu ou tu aimes l'argent? Tu aimes Dieu ou tu aimes les biens? Tu aimes Dieu ou tu aimes le confort? Tu aimes Dieu ou tu aimes les créatures? Tu aimes Dieu ou tu aimes la nourriture? Qu'est-ce que tu aimes? Ici, c'est une question d'amour. Judas a préféré aimer l'argent que Jésus. Et nous devons faire attention. Parce qu'on se laisse conduire par l'amour, par ce qu'on aime. Si on aime Dieu, on va se laisser conduire par Dieu. Et on sera avec Dieu. Mais on se laisse, si on aime d'autres choses, ce sont ces choses-là qui vont avoir du pouvoir sur nous. Malheureusement. Et la lecture patristique d'aujourd'hui, de saint Augustin, nous dit ceci. Comme le dit en effet l'apôtre Pierre, le Christ a souffert pour nous. Il nous a laissé son exemple afin que nous suivions ses traces. C'est cela, lui en offrir autant. C'est ce que les martyrs ont fait avec un ardent amour. Si nous célébrions sur leur tombeau, ont un sens. Si nous prenons place à la table du Seigneur pour le banquet où ils se sont eux-mêmes rassasiés, il faut que, comme eux, nous sachions en offrir autant. Maintenant, je vous laisse la bénédiction par les mains toutes pures de la Vierge Marie. Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.